Salut à tous les amis, c'est 77 Cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14, il me semble. Attendez, je vais voir. 14, peut-être. Alors hop. 15. Alors, quel nul. Bon. Alors les amis, on est de voir que j'avais raison, que James Kidd était une femme. Et donc là on va à Nassau. Let's go to the Nassau. To Nassau plutôt. T'en veux une autre? Rome flip cette fois. Et où veux-tu que je trouve des œufs frais dans cette maudite ville? Y'a rien d'autre que de la pisse et des insectes. On essaie de changer ça. Belle lady, quel est ton joli nom? Anne quand ils sont à jeun, traînés quand ils sont raides, mais jamais lady. Eh bien, très chère Anne, J'y crois pas un mot, tu m'entends? C'est un ramassis de mensonges. C'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau. Tu verras, tu peux me croire. C'est pas une ruse, Vane. Je l'ai appris de la bouche même d'un gros capitaine des Bermudes. Je te dis qu'un pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront à Nassau, et armés jusqu'aux dents. Il nous faut un plan. Viens avec nous, Kenway. Tout ça ne présage rien de bon. Bon, mais pour moi, pour l'instant, mon épisode préféré, c'est l'épisode numéro 4. Génial. De James Kidd, qu'on voit en femme, c'est extra. Ne faites rien qui puisse agacer le roi. La digestion du roi est le cadet de mes soucis, Ben. Il changera d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent. Ouvre un peu les yeux. Tu mourrais pour ce cloaque? Oui! C'est notre république! Notre idée! Une terre libre aux mains d'hommes libres, tu te souviens? Peut-être qu'elle n'est pas jolie à voir. Mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle, non? J'en sais rien, elle. Quand je regarde le fruit de nos années de labeur, je ne vois que la maladie, l'oisiveté, la bêtise. À t'entendre parler, cet endroit n'est pas si différent de Londres, hein? Ça, tu as raison. Si on voit les choses en face, on s'en sort pas si mal ici. Il y a du soleil, du rhum, et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif. Oui, Nassau est peut-être attirante de loin, mais quand on voit les choses de près, ce n'est qu'une infection qui soulève le cœur. Maladie, ça se guérit, Ben. Suffit juste d'avoir le bon remède. Mais les morts ne se relèvent jamais. J'arrive pas à croire que de tels mots sortent de ta bouche. Pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir? Du calme, tous les deux. Si on reste unis, tout le monde y trouvera son compte. On doit se procurer ses remèdes pour régler notre problème. Mais sans attirer l'attention des Anglais. J'aurais dû acheter une munition. Que le médecin le plus proche est à La Havane. Mais je compte pas y mettre les pieds. Il va y en avoir dans les galions de la flotte qui a coulé il y a deux ans. Bien conservé dans des fioles de verre. Il te faudra une cloche à plongeur si tu veux aller aussi profond. Aïe. On n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises. Voilà un plan qui me convient. Trouvons des remèdes sans causer de troubles. D'accord, Satch? Ça me va, ouais. Je te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt, Kenway. Et souviens-toi, Satch. Fais taire tes canons! M'emmerde pas, Ben! Acheter une cloche de plongeur, let's go.
semblait en avoir déjà acheté une, mais apparemment non. Donc on va régler ceci tout de suite. J'espère que ça coûte pas trop cher. J'ai quand même prévu d'améliorer la crique. Donc cool. Vraiment pas. Amélioration du jackdaw, et je pense que c'est tout en bas. Protection de chaloupe, quel siège. Cloche à plongeur, 5000. Hop. Je vais aller où là du coup? Voilà, allez là-bas, c'est plus proche. My thanks. C'est parti. Ouf, bon. Au moins j'ai pas de... Ah ok, la mission est terminée. C'était en fait, c'était pas réellement une mission. D'accord. Donc oui, je disais, pour moi l'épisode préféré pour l'instant c'est 14, il est trop bien. Ouvrir menu déplacement rapide, on va se déplacer rapidement les amis. Hein. Donc bon, allez, oh. Hop. What? Ville? Ah non, faut que j'aille à le slab. Bon bah allez hop. Je me suis fait avoir. Let's go. Bon bah. If you growl too hard, your head they'll bust. We're all bound over the mountain. Up socks you cocks, hand her two blocks. Wavy Susiana. And go below to your old ditty box. We're all bound over the mountain. Oh, rock and shake her one more drag. Wavy Susiana. Oh, bend your duds and pack your bag. Bon, ce qui est pas mal avec ce jeu, c'est que même s'il y a des déplacements rapides, il faut quand même faire un peu à pied, en naviguant quoi. Par contre, ce qui est nul, c'est que dans les villes qui sont pas très grandes par rapport aux autres, ils ont quand même mis des déplacements rapides à l'intérieur de la ville, ce que je trouve pas très utile et ça casse un peu le jeu quoi. Mais bon, sans ça, c'est vraiment un beau jeu, je vais pas dire. Pour moi, c'est même le jeu le plus beau de... pour l'instant sur la Xbox One. Et puis de tous les temps pour l'instant. Mais bon, petit Phoenix. Oui, il est beau, peut-être. On était quand même loin, j'aurais pas cru qu'on était aussi loin. 3 minutes à bateau quand même, pas peu moins. Enfin, 3 minutes dans le jeu.
J'ai beaucoup de bateaux, je ne sais pas à quoi sert. Et c'est ma tech, j'ai été obligé de les éclater. Une partie, s'il vous plaît, merci. Envoyez la grand-voile. Grimpez, allez, cramez toute la toile. Hop, cramez toute la toile, ok. Je sais que c'est un bon navire, alors prouvez-le moi. Je peux se trouver ici. Merde, les manettes. Merde, je suis là, ouais. Perlez la une, Bertimon. Bon, on va s'arrêter, ça sera rapide. Serrez les voiles. Oh non, je suis pas sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait, nom de Dieu. Nous, on est pas très loin. Non, je suis pas sérieux. Oh my goodness. J'ai fait le truc le plus inutile du monde. C'est moche à voir. Donc voilà. Là, tu vas par là-bas cette fois-ci. Tu seras gentil. Ah, sérieux, ce que je viens de faire, c'est horrible, quoi. Me planter dans le droit. Voilà, là on est au bon endroit. Quel diable est mon âme, Satch ? Quelle ravissante frégate ! 32 canons, c'est ça ? Après 40, je compte plus. Devenu ambitieux, je vois. Alors, t'as trouvé des remèdes dans le coin ? Oh, il n'y a malheureusement rien de bon ici. Mais je sais qu'il reste quelques belles épaves qui n'ont été visitées que par les crabes et le corail. Je vais y jeter un œil. Edward ? Edward, c'est bien vous ? Par le ciel, les Indes occidentales sont vraiment petites ! Bonjour, Bonnette. Je suis surpris de te voir ici. J'ai connu Monsieur Satch il y a un mois environ. Et il a accepté de me prendre sous son aile pour affronter la mer. Mais je vais devoir m'enhardir avant de devenir un vrai pirate. Bonne chance à toi, alors. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. On revoit le site Bonnet, ça faisait longtemps. J'aurais jamais cru qu'on allait le voir ici. Donc vous pouvez désormais employer la cloche à plongeur. Elle permet d'accéder à des sites sous-marins spécifiques tels que les épaves, les cenotes et d'aller... explorer, rejoignez-les et maintenez B parce que ok. Oula. Envoyez-vous, on va toucher. Ah bah, bravo. Toute la toile, il peut le supporter. Les huniers et les cagatoires. Et les manettes. Bon allez, c'est parti. Capitaine, on va explorer les fonds marins. Je vois quelque chose dans l'eau. Dans la nature. Donc il y a 6 coffres à trouver et 3 fragments. La fenêtre B. Attention, il y a des pieurs.
Je vais prendre tous les coffres, hein, tant qu'on est là. Ça va faire plaisir. Voilà. Hop. Il y a du souffle quand même, hein, parce que... Oh lolo. Oh oh oh. Elle est pas passée loin, celle-là. Je regarde vite fait, est-ce que je peux voir sous l'eau? C'est ça, poche d'air. Ok, on s'en fout. Ça, baril d'air. Ok, maintenant je vais faire plus que j'aille vers la mer. C'est un peu précis. Une séance de QTE peut-être? Non. Et plus de coffre. Hein. Par là, apparemment. Donc ça c'est calme, dis donc, c'est un peu de l'exploration pour moi, donc je suis pas très bavard comme d'habitude. Il y a un courant. J'esquive les trucs, pas comme je viens de faire. Oh. Trouver une issue. Oh lo, un requin. Ouais, tu m'étonnes. Langue toi. Bon ben, je reviendrai ici plus tard. Vu que j'ai la quête optionnelle. Mais... spécialement ce que. Qu'est-ce que ça veut dire? Éviter les attaques de requins, ça veut dire que ils doivent m'attaquer et que je vais les éviter. Non, on redescend. Hop. Voilà, hop. Je reviendrai ici plus tard, au pire. J'ai trouvé une caisse cachée sous un banc de requins. Hélas, l'élixir qu'elle contenait est totalement gâté. Par les sept plaies. On va devoir voler ces remèdes. N'oublie pas le pardon, Satch. Faudra agir en finesse. Foutu ornigold, un pirate devrait pas avoir honte de sa vraie nature. Ah, il préfère la prudence au canon. La prudence vaut rien sans charisme. Quand on passe pour un crétin, seuls les crétins obéissent. Mais si tu passes pour le diable, tout le monde se soumet. Et ce diable, c'est toi? Pour un auditoire. Aïe.
que spectacle. Apprends à faire peur à tes proies. Évoque-leur une atrocité. Tout droit sorti d'un cauchemar. Et elles se prosterneront en larmes à tes genoux, prêtes à te servir en priant le Seigneur. Oh mon Dieu! Saisissant. Je te l'avais dit. Si tu découvres un moyen discret d'acquérir des remèdes, dis-le-moi sans tarder. Sinon, j'en fais mon affaire. ...100% impec. Une belle mission aussi. J'ai bien aimé ça. Bon, du coup, faudrait que je revienne ici pour finir. Je le ferai plus tard. Je vais vous épargner ceci. Oh! J'ai oublié un truc, hein, Libera. Je l'ai attaqué sans prendre ça et ça. Oh, il a même pas fait le grand. Ok, faut que je le fasse. Bon, du coup, ce que je vous propose, les amis, vu qu'il me reste encore un peu de temps, pour éviter de faire une vidéo courte comme d'habitude, enfin comme les dernières que j'ai fait, je vous propose d'aller à la crique et on va un peu améliorer les installations qu'on a ici. Donc déjà, avec les sous que j'ai, je peux m'acheter ça. Bon capitaine doit prendre soin de ses hommes, non? Les marins sont un peu mécontents qu'il n'y ait pas de femmes pour les réconforter à bord. Je sais où en trouver, mais leur place n'est pas sur un bateau. Ah, c'est 15 000. Ah oui, quand même. Non, mais c'est tout. 15 000, c'est un peu trop cher. Du coup, on va aller faire le ravalement de façade de ma maison. Oh, il y a des gens qui guettent mon entrée maintenant. C'est cool, ça. Est-ce qu'il y en a qui guettent ma deuxième entrée? Non. Allez, hop, holo. À peine arrivé à la maison, il veut déjà faire des tractions. Moi ici, je crois que c'est 6000. Donc je vais avoir assez. Je me sens toujours pas chez moi. Il va faire ah, ça. Je peux m'en aller encore un petit quelque chose. Allez. Ajouter une tour au manoir et rénover les jardins. Ça prendra. Acheter 5 améliorations dans leur éclair. J'ai combien de clés? Oui, j'en ai que deux. Il m'en manque 3 donc. Pour avoir l'armure des Templiers. Donc on va aller à la petite taverne que j'ai créée. Ahoy, friend. T'as des infos. Oui, c'est un peu. J'ai battu quelqu'un aux dames, c'était marrant. Je vais voir s'il y a moyen que je recrute des gens.
Et on va aller toute ma vanne. De quoi tu as besoin aujourd'hui? On va commercer. On va vendre plutôt. Hop. Je vais te vendre des sauts. Allez, je te rends tout. Hop. Tac, je peux en mettre vendre là. Je doute avoir assez pour acheter la. Merci de ta confiance, capitaine. La maison de passe, mais on va aller voir quand même. Je sais plus combien c'était. Un bon capitaine doit prendre soin 18 000, de ses gens, non ? Les marins sont un peu mécontents qu'il n'y ait pas de femmes pour les réconforter à bord. Je sais où en trouver, mais leur place n'est pas sur un bateau. Ah si, c'est bon, quand même. Merci, monsieur. Thank you. Impeccable. Donc voilà, j'ai acheté une maison de passe. Il me restera des jardins à rénover. C'est tout. Je sais pas si vous m'en redonnez après. Mais je sais si je peux. C'est tout les amis, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et on se revoit pour l'épisode numéro 16, si je me trompe pas. Bye!